Les gars, mode histoire, continuer la game. Alors normalement j'étais, oui, il fallait trouver donc la porte, fallait trouver le sigil. Parce qu'en fait pour passer certaines portes dans ce jeu, faut trouver des sigils qui sont gravés sur les murs et après les dessiner avec son doigt pour pouvoir passer. Et donc on en était, ah oui, du coup je dois passer le jeu en clavier anglais parce que on ne peut pas changer sinon. Les touches. Donc voilà, la porte est là. La porte est là, donc on peut pas l'ouvrir. Elle est possédée. Voilà, on voit qu'on doit passer par là. Et du coup, on avait essayé de trouver des sigils. Alors voilà, là c'est un sigil. On va essayer de le refaire. On va essayer de retaguer le mur pour pouvoir passer. C'est ça, hein, c'est de taguer le mur. Ok. Alors, est-ce que ce... Faut bien... En fait, je pense qu'il faut bien le dessiner, quoi. Voilà, donc là, on dessine avec son sang pour pouvoir passer, mais... Évidemment, il faut trouver le bon. Alors, je sais pas s'il y a un moyen de... Ok, donc c'est pas celui-là. Je vais quand même réessayer. Je vais essayer de mettre un peu plus de sang pour suivre les lignes. Donc, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Mais du coup, je pense pas que ça soit celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ok. On va faire échappe. Donc il y en a plusieurs des sigils. Hein, faut trouver celui qui correspond. Quoi. Donc celui-là c'est fait. Alors je sais qu'il y en a d'autres. On en avait essayé 3 je crois la dernière fois. Voilà, et là il y en a un. Mais évidemment celui qui nous intéresse, je suppose qu'il est bien caché. On va quand même essayer de prendre celui-là. Donc on peut en mémoriser un seul. Hein. C'est pour ça que je dois faire des allers-retours. On peut pas mémoriser plusieurs sigils en même temps. Là pareil, hein, on va essayer de... Ok, donc ça a pas l'air... Je réessaye toujours 2 fois parce que ce qui m'est arrivé hier, c'est qu'une fois, il y avait un sigil. Je l'avais mal dessiné, entre guillemets. Et en fait, bah du coup, j'ai pas pu rentrer. Salut Dualuni, c'est... Alors, Agony, c'est un jeu de... Comment dire? C'est un jeu où tu suis... qui se passe en enfer. Et en fait, le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu fous là et espérer, évidemment, sortir vivant, même si on est mort, sortir vivant de là, quoi. C'est un jeu, c'est un peu comme Outlast. Je sais pas si tu vois ce que c'est. On suit... En fait, on essaie... Il n'y a pas vraiment de combat. Enfin, il y a un peu de combat, mais le but du jeu, voilà, c'est d'essayer de survivre en enfer. Mais c'est un jeu, vraiment, où on suit une espèce d'histoire. Alors, l'histoire est très chelou, hein, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'on fout là. On sait pas trop pourquoi on est en enfer, mais ce qui est sûr c'est qu'on y est, quoi. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Là il y a un sigil. Et comment je peux le prendre celui-là? Il y a un sigil mais... Ah bah il est là. On va essayer de taguer le mur avec ce sigil. Alors attention. Alors il y a des démons évidemment, des démons même qui nous suivent. Qui veulent nous tuer, hein, parce que bon, là c'est tranquille parce que j'ai sauvegardé là, mais on est toujours suivi par des saloperies. Putain, mais c'est pas possible! J'ai fait 3 sigils différents et c'est pas les bons. Attendez, je le refais, hein, j'essaye de. Voyez mon. Ah là là, ça a l'air pas mal là. Ah, attendez, là-bas c'est pas assez recouvert de sang. Je pense qu'il faut bien insister sur le... Voilà, bon, c'est pas celui-là. Ok, bah du coup, il est pas... Alors du coup, on a dit que c'était pas celui-là. On a dit que c'était pas celui-là. Celui-là, là-bas. On a dit que c'était pas celui-là. Celui-là, on l'a fait. Et on a dit que c'était pas non plus celui-là. Est-ce qu'il y en a un... Ah, là, il y en a un, là. Non, ce n'est pas un, ça. C'est pas un sigil en forme de croix, ça. On peut pas le prendre. Non, mais c'est pas un sigil, ça. Là, celui-là, on l'a fait. Il n'y en a pas d'autres. C'est ça le problème, c'est que hier, j'étais bloqué ici et j'ai pas trouvé le dernier. Alors, à moins qu'il soit au plafond. Ah, ici, ce jeu, c'est le bordel. Hein. Ce jeu, c'est vraiment le pire bordel. Il y en a partout. Bon, on va revenir en arrière. Peut-être qu'on l'a loupé, mais je vois pas trop où il peut être, quoi. Alors, attendez, on va passer entre les murs. En tout cas, faut faire attention parce que là, il y a des démons qui rôdent. Il faut pas qu'il nous repère en fait. Il y a une mécanique de... Comment dire, de... Pas un sigil, ça? Non, pas du tout. Ah, je vois des sigils partout maintenant, quoi.
Alors on peut pas, évidemment, comme dans Star Citizen, allumer une lampe de poche. Hein. Voilà, c'est la cascade de sang. Alors attendez, peut-être qu'il y a un sigil ici. Là. Et la dernière... Ah non, là on revient en arrière. Ça doit être un signe, mais peut-être en parallaxe. Je sais pas ça. Comment ça en parallaxe? Putain, ici ça lag de ouf. En fait, le problème c'est qu'on peut pas, on peut pas prendre plusieurs sigils, tu vois. C'est un seul par un seul. Y a pas de démon là? Hier, il y avait un démon là. Où est-ce qu'il est? Oh là là, on voit que dalle. Là, y a pas un truc là? J'ai dû louper un, j'ai dû louper quelque chose. C'est pas possible. Hein. Attendez, on va jeter un œil. On va faire le tour de cette zone. Hier, il y avait un démon qui m'a suivi jusque là. Donc, je pouvais pas. Voilà, il y a des petits bébés sacrifiés. La croix. Attends, je vais aller voir. Ouais, bonne idée. Parce que j'ai pas l'impression que là, il y ait de sigil, en fait. À mon avis, je dois passer. Je dois... C'est pas ça. Ça, c'est pas un sigil, le mec est crucifié, là. Non, pas du tout. Ah, attendez, là. Non. Je vais retourner. La croix, c'est vrai qu'elle est suspecte. Elle est là, comme ça, et on voit qu'il y a des traces. Tu vois, il y a les mêmes traces. Mais je peux rien... Oh, si. Attendez, je l'ai vu. Il est là. Putain, c'était du génie, ça. Merci Dualuni, putain c'était ça. C'était en fait le sigil, c'était deux croix comme ça. Putain le mind game quoi. Ah j'étais pas loin. GG, putain c'était GG ça. Bah, du coup on va pouvoir passer. Là, j'aurais pu chercher pendant 3 heures. Hier j'ai cherché pendant bah, un petit moment. Et je l'ai pas trouvé ça. Bon, ça doit être celui-là. Hein. Y a pas de mind game là. De toute façon il y a que celui-là donc... Voilà la porte s'ouvre. Ouais, du coup, on progresse. Let's go. Voilà, évidemment. Alors, je vous explique un peu les mécaniques de jeu de ce de Agony, hein, pour ceux qui découvrent. Vous voyez, il y a des gens qui sont des suppliciés. En fait, il faut leur retirer leur capuche. Bon, lui, il est mort, donc on peut pas. Mais en fait, quand on meurt dans ce jeu, quand on se fait choper par un démon, on peut prendre possession du corps des gens qui n'ont pas de trucs sur la tête. Voilà. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que cet enfer? On voit un espèce d'orifice. Oula! Voilà, c'est assez dégueulasse. Assez dégueulasse. Ah, on est dans l'eau, d'accord. On est dans du sang. Et on voit rien. Ok, tout va bien. On va s'approcher de l'orifice, du coup. Alors, je sais pas si on a une barre de... Quoi, ça? Je sais pas si on a une barre de... Oh, c'est un... Ah, c'est des yeux qui nous regardent. On peut pas leur donner un coup, non. Bon, je suppose qu'il faut aller par là. Alors aussi, on peut upgrade son personnage. Alors, il y a un système d'upgrade qui est relativement simpliste. En gros, faut trouver des fruits défendus. Ah, c'est très instable. Bah oui, c'est ça, c'est assez glauque. Voilà, là, je suis mort. Parce que je suis pas allé assez vite, je suppose. Ah, et du coup, là, à mon avis, on s'est fait niquer, quand même. Alors là, en fait, on est en forme de... Oh, c'est bon. On est en forme de démon et vous voyez, je suis mort. Mais si je me dépêche, si je vais assez vite, je peux prendre le corps d'un supplicié. Voilà. D'un pêcheur. Voilà. Et du coup, on a passé ce passage dans les boyaux, là. Et là, il y a un point de sauvegarde. Alors, les points de sauvegarde, hein, pour ceux qui ne les ont jamais vus, voilà. Voilà un point de sauvegarde dans le jeu. Voilà, c'est génial. C'est bien dégueulasse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un mec qui est crucifié sur une croix qui brille. Jusque-là, pas de problème. J'aime pas trop les... Alors, il y a plein de démons, là. Hein. Il y a plein de démons. Alors, ces démons-là, faut faire attention. Parce qu'ils te... Bah, ils t'attrapent et ils te tuent, quoi. Alors, évidemment, c'est assez labyrinthique. Alors, on peut suivre... si on fait F, on a cette espèce de truc qui nous indique où aller. On va la suivre en espérant ne pas se faire gauler par les succubes. Hein, qui nous... Oh là là, c'est quoi ce truc là? Oh là, je suis mort. Putain, il m'a one shot quoi. J'ai pas vu ce que c'était. Ah non, il m'a pas tué. Putain, mais c'était quoi? Ah putain, regardez la tête dans le. Bon, on va essayer de s'en aller d'ici assez rapidement parce que là, c'est un peu dégueulasse quoi. Il y a un truc qui m'a tapé, mais ça va, j'ai cru que j'étais mort, mais pas du tout. Alors, on peut pas vraiment se défendre dans ce jeu. On peut prendre possession des démons, c'est possible. C'est vraiment le seul moyen de se battre.
On a une torche aussi qui inflige. Ok, là-bas c'est un supplicié, mais derrière il y a, y a une démon. En fait, idéalement, faudrait que je soulève. Faudrait que la démon passe et que je soulève la capuche de celui-là. Pour être sûr d'avoir un. Évidemment. Pour être sûr d'avoir un point de respawn, mais évidemment, le démon a décidé de faire demi-tour. Donc je ne peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a une, il y a un truc là. C'est un sigil? Ah, c'est un sigil. Bon, bah on va le prendre. Peut-être que ça servira à ouvrir une porte, j'en sais rien. Sûrement d'ailleurs. Ah putain, la démon arrive, les gars. La démon arrive. On va se dépêcher de sortir de là. Alors, ah bah voilà. Ok. Donc là, faut dessiner encore une fois le sigil. Voilà. Le mur. En espérant que ça soit le bon. Ah, évidemment, c'est jamais le bon du premier coup. Bon bah du coup il doit y en avoir. Je vais quand même bien le faire, tu vois. Essayer d'être propre. C'est du coloriage, hein. C'est typiquement un jeu de coloriage. Voilà, bon c'est pas celui-là. Du coup va falloir retourner retourner là-dedans. Ah là il y a un sigil là. Putain il était juste à côté celui-là. J'ai failli pas le voir mais vu qu'ils sont assez lumineux. Ah, attendez faut qu'on check où est la. Oh putain la démon arrive les gars. On va faire le tour, on va faire le tour. Faut pas qu'on se fasse choper quoi. Ah bah du coup. Ok. Faisons le tour. Visiblement il y a une espèce de caca. Un espèce d'intestin qui a essayé de nous attaquer. Voilà. Lui on va lui ouvrir la tête. Elle est où la démon là? Je la vois plus. Elle est là. Ok, elle fait le tour. Donc on va nous aussi faire le tour et essayer de graver le sigil sur la porte. Alors on a une barre de en bas à droite de stamina. Putain mais elle me fait chier là. Oh putain la démon m'a vu. Et là on est mort. Putain. Elle m'a vu de tellement. Ah non on n'est pas mort. Elle m'a vu de tellement loin gros. Ah bah si je suis mort, faut que je revienne ici, ok. Putain c'est chaud. La démon elle pardonne pas, y a aucun moyen de. Y a aucun moyen de survivre à ça. Est-ce que j'ai toujours le sigil de... Ah mais là, ça c'est des saloperies ça. Ah mais en fait d'accord, il me ramène au début. Ah oui d'accord, il te tue pas mais... Ok. Ah mais non en fait je suis mort. Non là je suis vraiment mort. Et là je peux prendre possession de ce truc là, non? Ah quand on est en forme de spectral, faut pas se faire attraper par les espèces de trucs là, d'espèces de poulpes volants. Non évidemment on meurt. Alors on a un temps limité. Ouais voilà, j'ai pris trop de temps. Bon c'est pas grave, on est mort pas très loin. Mais je vous dis c'est ultra dur. C'est pas évident. Ok. Ah, la loose. Bon bah on y retourne. Hein. Ça va le point de sauvegarde est à côté. Ah bah là il y a un supplicié, attendez on va le récupérer lui. En fait ça c'est vraiment des points de spawn en fait. Et là on peut pas avancer, d'accord. Est-ce que j'ai toujours le sigil de dans ma tête là? Ça je sais pas. Ah putain. On va attendre qu'elle passe. T'as la loose quoi. Là on était tellement bien et là on est. Ça y est on est en PLS quoi. Ah faut pas qu'elle nous voit là. Alors là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va retenir son souffle. Pour pas faire de bruit. Et laisser passer le démon. En espérant qu'il ne tourne pas. Ok, c'est bon. Alors, les démons ont une zone d'aggro qui a l'air assez énervée. Donc, on va vraiment y aller tranquille. Voilà. Et on va essayer de pas se faire attraper par les estomacs vivants. En fait, je pense qu'il faut garder un peu de stamina, quoi. Au cas où il se passe quelque chose. En fait, je pense qu'il faut avancer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Je pense qu'il faut avancer tranquillement. Et dès qu'il se passe quelque chose, hop, on trace. Et là, je ne peux pas. Voilà, genre ça par exemple, tu vois. Est-ce que je peux sauter de là à là? Ah non, là, ça pue la mort. Putain, j'avais trouvé le bon chemin du premier coup tout à l'heure. Et là, c'est la galère. Ok, c'est par là. Il y a un démon, il y a le démon qu'on a qui nous a tué là.
Attendez deux. Ah là là, attendez deux secondes, il y a. Ça a l'air de sonner à la porte, je reviens les gars. Heureux ? Je sais pas. Personne. Allez, let's go. Bon bah du coup je suppose qu'on est mort, c'est ça ? C'est ça le bail ? Ouais, je pense que je sais pas comment je suis mort, mais bon, on va dire qu'on s'est fait attraper par le démon. Ah non, faut pas que je prenne eux là. Alors oui, si on prend un démon, ce qui se passe c'est que comment dire ? Et on peut pas faire de sigil et du coup on peut pas passer. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc là, on va essayer de récupérer. On peut pas le récupérer, lui, là ? Ah, merci. En fait, faut rester appuyé sur le bouton assez longtemps. Ok, bon, on est reparti. Ah là là, il y a les estomacs vivants, là. Ah, mais c'est dégueulasse, ce truc, là. Le mec, le truc, il est en embuscade dans le dans l'espèce de mélasse, là. J'arrête pas de crever là, c'est un truc de ouf. Mais c'est tellement dur. Oh my god. En fait, il te one shot quoi. Je peux prendre lui là? Non, visiblement, je ne peux pas. Là-bas, il y avait un supplicié. J'aime bien les appeler comme ça, les suppliciés quoi. Parce que c'est tellement ça. Décidément, j'arrive même plus à retourner où j'étais tout à l'heure quoi. Tellement c'est le bordel. Là, 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 je peux. Ah putain, je sais pas. Il y en a pas assez quoi, il y en a pas assez gros. Allez, on y retourne. C'est bon, je vais me concentrer. Ah, désolé parce que j'étais... je sais pas, ça a sonné à la porte, mais il y avait personne. Vous savez, des fois, hein, les gens, ils sonnent et il y a personne. Donc, je vais aller voir. Oh merde. Un supplicié, ça, oui. Mais là, je peux pas y aller, là, si. Ah putain, il y a le démon, là. Il y a le putain de démon qui va me bloquer la route encore. Oh my god, ouais je peux pas. Putain, et là je suis baisé là. Je me dépêche avant qu'il arrive. On va se cacher exactement dans le même endroit que tout à l'heure là. Ah évidemment il vient ici, hein. Il vient ici, hein, le petit bâtard. Voilà, on va... Ça pue la mort là. Passer de l'autre côté. Ok, c'est good. Visiblement non. Ça c'est la merde. Je déteste les jeux d'infiltration. Alors pour ceux qui me connaissent pas, les jeux d'infiltration c'est pas mon truc. Voilà, parce que je suis trop pressé, j'ai trop envie d'avancer. Évidemment là où faut prendre son temps. Oh my god. Évidemment, l'IA... Mais casse-toi, toi ! Casse-toi ! Oh my god ! Le mec, il était devant moi, je pouvais pas bouger ! Oh là là ! Putain, mais sérieux, j'arrête pas de creuser... Ok. Bon, là, on va pas prendre le possession de lui, sinon on va mourir. Putain, la loose, quoi. Le mec, il était devant moi et il bougeait pas, quoi. Il s'est... Allô ? Putain... J'arrive plus à retourner là où il y a la porte quoi. A chaque fois je me fais niquer par les estomacs ou par les démons quoi. Voilà. Ah, il se fout de ma gueule là par contre. Vas-y vite, on va passer avant qu'il revienne. Par où j'étais passé tout à l'heure là? Je retrouve plus le chemin. Par là? Ça a l'air d'être là. Là j'aimerais bien. J'y suis arrivé une fois par chance et maintenant ça y est, c'est fini. Ah ça y est, il y a un estomac. Putain mais des démons, il y en a plus que tout à l'heure là, non?
Là, il y en a un là. Putain, c'est dégueu. Ok, je suis mort, tout va bien. Je vais y arriver, hein. Promis, promis, on va pas s'énerver. En plus, voilà. On va attendre qu'elle passe. Alors, elle, si elle vient là où je suis. Oh my god, putain, c'est pas possible. Je peux pas me cacher là, hein, je vais mourir. Là. Ok, bon, on va tenter de... Ah oui, d'accord, elle s'en va, d'accord. Ok, vas-y, vas-y, avance, gros. Ah putain, j'ai cru que... Ouais, c'est bon, elle s'en va, ok. Là, c'est tendu, hein. La première fois que j'y suis allé, il y avait rien qui m'en a empêché, et là, j'arrive plus à avancer, quoi. C'est un truc de ouf, j'ai eu de la chance. Je suis passé la première fois, j'ai eu de la chance, et maintenant, j'y arrive plus. C'est génial. Et là, il va y avoir l'estomac qui va arriver, là. Ok. En fait, faudrait qu'on trouve des safe spots pour se poser, tu vois. Genre là, typiquement, il peut pas y avoir les espèces de monstres dans la mélasse, là. Alors, attendez, je vérifie le chemin. Donc, je vais là, là... Vas-y, vas-y, casse-toi, toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Là-bas, il y a un démon. Là, en plus, faut prendre les décisions assez rapidement parce que t'es suivi, quoi. Je vais reprendre mon souffle. Ok. C'était où? C'était là-bas. Hein. Ah, c'est bon, là. Voilà, je suis jamais revenu là depuis une heure de l'après-midi. Ok, go. En fait, je pense qu'il faut, il faut se poser. J'ai cru que c'était un démon, quoi. Ok, let's go. Bah, faut faire par à coup, tu vois. Allez, let's go. C'est bon, on est revenu ici. Tout va bien. Alors, du coup, est-ce qu'on a le sigil qu'on a pris il y a à peu près 2 heures? Oui. Moi, j'en ai pas vu d'autres. Hein. J'espère que ça va ouvrir la porte tout de suite. Hein. Parce que là... Évidemment, c'est pas le bon. Attendez, je vais réessayer. On sait jamais. Une fois, je l'avais mal dessiné et du coup, on était resté bloqué. Voilà, tranquillement, tranquillement. Non, c'est pas le bon. Ok. Du coup, alors attendez, celui-là, c'est pas le bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres aux alentours? Oui, celui-là. On l'avait pas pris celui-là. Hein. On avait pris celui en forme de croix. Ok, c'est bon. Faut se dépêcher avant que le démon arrive là. Parce que ça serait con de tout recommencer alors que c'est autant la galère. Oh là là, regardez ce sens artistique, hein, évidemment. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Putain, me dis pas que c'est pas celui-là, gros. Il est ultra dur à dessiner, celui-là, par contre. C'est tout sauf précis. Bon, c'est pas celui-là non plus, évidemment. Donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Putain, il est où? Il se trouve, il y a un mind game comme tout à l'heure avec 2 sigils qui se superposent. Le problème, c'est que des sigils, j'en ai pas vu d'autres sur le chemin. Ah là 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 là, va falloir que je retourne là-dedans là. J'en ai pas vu d'autres. Attendez, c'est pas possible. Il y avait celui-là. Ok. Il y avait. Là, il y en a pas un là-dedans là. Non, là, il y en a pas. Ouais, celui-là, on l'avait fait, c'était pas celui-là. Il était où l'autre, là? Il y en avait pas un troisième? Bon, attendez, je vais aller par là. Ah. La guerre. Ah, si, il y en avait, mais... ok. Ok, je me souviens, il y en avait dans des zones... un peu excentrées. Ah, ça pue, là. Il y en avait un qui était tout au fond là-bas là. Je regarde, j'observe voir si je vois pas quelque chose briller, mais là il y en avait un là. Mais c'était pas lui là? Attendez, on va le reprendre parce que celui-là il est bizarre quoi. Celui-là en plus il est désigné du doigt par notre ami le cadavre. Donc je vais y retourner, on va voir. Bizarre quand même que ça soit pas lui là. Je vais bien le dessiner.
se trouve, il y en a un autre de l'autre côté, tu vois, de la zone. Non, c'est pas celui-là, hein. Putain, c'est ouf. Je le fais bien, je le fais bien, là. Je le dessine vraiment. Je vois pas pourquoi ça serait pas celui-là, tu vois. Non, c'est pas celui-là, putain. Du coup, c'est pas celui-là, c'est pas celui qui est au bout. C'est pas celui-là. Bah, du coup, il doit y en avoir un autre quelque part, hein, visiblement. Comme si c'était pas assez relou. Ne me dis pas que je suis mort, là. Non, c'est... Ok, passons. Putain, mais arrête de revenir. Oh, putain. Non, 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 non. Tombe pas. Hey, mais il reste en... Je peux pas passer là. Je vais pas m'énerver. Je me fais aggro par un espèce d'estomac. Ah! Oh putain, il y en avait un là. Vite. Ça valait le coup. Ça valait le coup de se faire chier. Oh putain, c'est un supplicié, c'est beau. Ok, on y est les gars. On y est. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va réussir à s'en aller d'ici. J'espère. Vas-y, dessine. Et si c'est pas celui-là. Oh putain, c'est bon. Ah, j'entendais le démon arriver, quoi. J'entendais le démon arriver, gros. Je me suis dit, je vais me dépêcher. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça pue la mort, là. Ah non, elle nous aide, en fait. D'accord. Ah, c'est cool. Finalement, elle ne nous aide plus. Finalement, cette alliance a été brisée assez rapidement. Mais au moins, on a pu s'enfuir de l'espèce de zone de digestion. Et là, on se retrouve... Ah oui, putain, on se retrouve en haut de l'arbre, en fait. D'accord. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, on est en haut de l'espèce d'arbre qui relie les mondes. Voilà, je pense. Hein. Alors, on n'est peut-être pas tout en haut encore. Ah, l'arbre de vie, hein, l'arbre mana. Et il y a un point de sauvegarde, donc on va vite le récupérer avant de mourir. Et de recommencer le truc des sigils. Allez, allons-y. Alors, il y a des mains au plafond. Jusque-là, ça va. J'ai envie de dire, c'est plutôt... S'il n'y a que des mains au plafond, ça va. Alors, j'y vais doucement, hein. On sait jamais ce qu'on va trouver. Hein. Pull off her skin and bring it to my chamber. Là, vite, cachons-nous là. Oh, this one here is too destroyed. I asked you to be careful. Ah, désolé pour le son qui est fort, mais les voix des fois sont très fortes et des fois sont très faibles. Poor creature. Drain out her blood and eat the rest. Oh putain, elle nous a pas vu, gros. Elle nous a pas vu. On va la pioter. It's you again. Oula. Ça pue la mort, ça. Wait. C'est tellement dégueulasse, quoi. Not here. Give him a chance. Have some fun and later bring me his head. Il arrive à comprendre l'espèce de truc là. Qui a pas l'air d'avoir de cerveau en plus. Ah là là, ça sent le combat. Oh là là! Vite! Prenons une torche! Alors, sors de la chambre de lumière. Oula! Oula! Ah oui, d'accord, ça rigole zéro là! Il m'a one shot le truc? Non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? D'accord. Il y a pas. Ah, il y a une balance. Ah, mais il court vite en plus, hein! Est-ce que si je lui jette une torche, vous pensez qu'il. Non, pas du tout. Ça aurait pu se tenter. Là-dedans, il y a quoi, là? Ah. Ah, d'accord, il y a des TP. Oh, d'accord, c'est des TP qui amènent... Ok, ça je prends. Je sais pas ce que c'est. Un cœur. Je suppose que pour sortir de là, il va falloir trouver des cœurs et les ramener dans la balance. Ah, mais il y en a plusieurs, en fait. Oh, j'ai essayé de tous les prendre et de one-shot le truc, quoi. Ça peut être du génie, ça. On va one-shot les balances. Ah mais le mec, comme par hasard, enfin le mec, l'espèce de truc là, est à côté de l'endroit où je dois aller. Ce qui va poser problème.
Il n'a pas l'air très intelligent, mais il fait mal. Ok, on passe, les gars. Là, il y en a un autre. On va essayer de le one-shot. Il faut réussir. Je pense qu'il y en a au moins 4 des cœurs. Enfin, j'en sais rien, mais... Ok, vas-y. Il faut équilibrer les balances. Ok, c'est pas mal. Oh putain, le bruit que ça fait, quoi. Pas discret, hein. C'est pas très discret. Vas-y. Ah merde, du coup, il est... Ah si, c'est bon, il est balance. Et là, je peux en mettre un. Putain, il en manque. Il en manque un. Ok, on a équilibré une des deux. Si on arrive à être assez furtif, je pense qu'on peut s'en sortir vivant. Alors, le problème, c'est que le dernier, je sais pas où il est. Est-ce que vous l'avez vu chez vous, un indice? Bon, déjà, il est pas par là, c'est sûr. Il est pas là-bas, là? Ça brille là-bas, non? Vas-y, on va aller voir. Oh, ça a l'air d'être là, non? Il y a un cœur qui manque, là. C'est quoi, ça? Oh, c'est le dernier. Ok, on l'a eu. Ok, il est là. Alors maintenant, faut pas que le démon aille... Oh, bah si, on peut essayer de rusher, là, non? Hop là. Et là, ça passe. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas équilibré? Attendez, il y en a peut-être d'autres, hein. J'ai pas tilté là. Oh my god. Je crois que les balances sont pas équilibrées, les gars. Et du coup, je l'ai peut-être posé dans le mauvais slot. Et voilà, et du coup le démon est juste devant, hein, voilà. Alors comment ça s'est passé là? Pourquoi? Ah! Attendez, il y a un trou là. Il y a un trou qui s'est ouvert, les gars. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ok. Il nous a suivis? Non, pas du tout. La chambre de joie. Ah, la chambre de joie. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire, là? Ah, il y a une tête dans le... Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là? Joie. Ah, c'est horrible. Ok. Il y a un truc à récolter là. Ah, parce que je... Il n'y a pas un cœur là à mettre quelque part là? Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est dégueulasse. Ah non, d'accord, ok. J'ai eu peur. Je m'attendais à pire. Ok, on a récupéré une statuette. Très bien. Ah, il y a une porte là. On peut pas l'ouvrir. On va aller voir dans l'eau. Ah bah oui, évidemment, dans l'eau. Dans l'eau, il se passe des choses. Salut Jordan, ça va? On va essayer d'aller vers la lumière. Oh. Ah, il y a une... Ah, j'arrive pas à la prendre. Vite. Il y a une... Comment ça s'appelle? Une peinture, d'accord. On va vite remonter avant de crever. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le perso ne peut pas mourir noyé. Ah, voilà, c'est bon. Ok. En fait, on a... En fait, comment dire, trouver des peintures, examiner des peintures, ça ouvre des passages en fait. Donc là, vous voyez, on a ouvert ici. Par contre, la porte là est toujours fermée, je sais pas pourquoi. Comment je passe là? Je saute. Bah voilà, assez facile, hein. Le démon, il a rien fait du tout. On l'a mind-gamé. Ah, par contre, elle. The cathedral in the wasteland. That's where your road ends. Oui, bonjour. Before you get there, however, you still have much to learn. There is a great painter hidden among the ice and blood. You must meet with him before you drown in the sands of the desert. Oui. Bon, ça va, elle nous tue pas, tu vois, c'est bien déjà. Elle a un petit auréole de feu sur la tête. It's a long and difficult road. So in order to have any chance of survival, you must become much stronger. Merci beaucoup. Elle va nous donner des super pouvoirs, les gars. That's better. Use your abilities. Enough hiding.
Delight in the taste of their blood. Oh là là, oh, c'est le train de la mort là. Ah bah c'est bon. Ah, on a fini le chapitre 2. Bah voilà. Oh ça va, c'était plutôt simple. À part les sigils. Oula. Ah ça y est, on enchaîne directement. On enchaîne directement sur le même démon que tout à l'heure. Ah là, on va le. Ouais, ok, on va prendre possession du truc là. Voilà, je ne peux pas jouer, c'est une cinématique. Ah, c'est l'enfer glacé là, visiblement. Ah, bah oui, d'accord. Trouve la déesse rouge, ok. Ah, oui, d'accord, on est le démon. Ok, cool. On va tuer tout le monde. Est-ce qu'on peut tuer les suppliciés? Ah, oui, on peut. Oh putain, il est parti en morceaux le type, quoi. Ah, on peut leur foncer dessus, quoi. Regarde ça. Il s'est envolé. Ça, on peut pas passer, d'accord. Je croyais que c'était une porte. Jusque-là, tout va bien. Alors, les. Vous avez vu, il y a un problème avec le son dans ce jeu. C'est que des fois, le son, il est ultra fort, des voix. Et des fois, il est très très bas. Pourtant, le curseur, il est quasiment à fond. Vas-y, toi, dégage. Oh là, combat de. Non, d'accord. Ok. J'ai compris. Laisse-moi tranquille. On va s'en aller d'ici avant de mourir. Ah. D'accord, on n'est plus le démon. Alors attendez, on va essayer de choper un peu petit démon pour avancer. On va essayer d'éviter de prendre un supplicié. Parce que ils sont weak. Voilà. Oh là là! Ah oui, d'accord, ok, lui il nous a. Oh my god. Attendez, je vais essayer de reprendre possession. En fait, les espèces d'araignées là, en fait, nous poussent hors du. Tu vois? Hors du corps. Faut pas se faire attraper par ces saloperies. On va s'en aller rapidement. C'est vraiment le bordel. Alors là, il y a un supplicié. Là, il y a des suppliciés morts. Là, il y a un démon. Je sais pas où on va, hein. Je piffe totalement la zone là. En tout cas, j'avance. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui m'a tapé là. Et voilà, on a plus le temps. Faut qu'on trouve une victime là. Le problème, c'est que j'en ai pas vu sur le chemin. En fait, j'ai vu les victimes, mais ah là, il y en a une. Ah mais non, ça c'est un démon, ça. Ouais, prendre lui à la limite. Ouais, je vais prendre lui. J'ai aucune idée où je dois aller là. Là, c'est le pif le plus total. Mais en tout cas, on va essayer de trouver la sortie. Ah ouais, d'accord, on est de retour sur lui là. Vas-y, on va essayer de le tuer lui là. On peut pas les tuer ces saloperies là. Ah si, il est mort. Ah si, c'est bon. Ah attendez, oh il y a des sigils. Putain, il y a des sigils partout les gars. Le retour. Vas-y, casse-toi toi. On va clean la zone. Et qui ça? Ah non, ça c'est un supplicié, mais en fait le problème c'est que en forme de démon, je ne peux pas évidemment enlever les capuches. Est gênant. Faudrait trouver un supplicié dans le coin qui a pas de capuche. Et lui, on va le tuer. Oh putain, on l'a one shot quoi. C'est le one shot. Et il est énervé le bidule là. On peut pas aller tuer les. Oh là là. D'accord, on peut. Ok, on va essayer de trouver un corps. Tiens, bah lui il est parfait là. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ok, bon, on a vu des sigils. Je suppose qu'il va falloir trouver le bon pour avancer, comme d'hab. Alors le problème évidemment c'est que là alors, attendez, on va vérifier où faut aller. D'accord, apparemment c'est là-bas. Est-ce qu'on peut sauter de truc en truc là? Oula. Ah oui, d'accord, le plafond c'est de l'eau. Enfin du...
du sang. Ok, là on va enlever les capuches pour avoir des points de spawn. Ok, le problème c'est qu'il y a un démon devant là. Vous pensez qu'il est vivant lui? Body, my body, take it from me. Take my sins on your soul. No, you can't move the body. Ah putain. Okay, heureusement j'ai pris le type là. Oh, ça a failli être la mort là. Eh, attendez. Pourquoi mon... Ok, c'est bon. Faut que je prenne possession de lui. Le problème c'est qu'il y a lui à... Ah, attends, il y en a un là-haut là. Vite. Je vais prendre celui du dessus là. Parce que l'autre il pourra pas m'attraper comme ça. Bah, c'est du génie. Je vais sauter sur le truc et bim. Ouvrir la porte et m'enfuir d'ici. C'est le plan. Ah ouais, lui il va se mettre vraiment devant là où je dois aller quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin alternatif là? Putain, c'est chaud là. Ah attendez, je peux pas nager dans le plafond non. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. Alors par contre, je sais pas où je dois aller. Ah, mais je dois aller au-dessus! Attendez, quoi? C'est quoi ce bordel là? Oh putain, fallait que j'aille au-dessus, je crois. Ah non, c'est là! Ah, d'accord, merde! Putain, ah bah ouais, là. Je peux monter par là, oui. Je pense qu'ils ont prévu le coup quand même. Oula! Ok, d'accord, laisse tomber, on va redescendre. Faut qu'on trouve une montée, voilà. Genre là par exemple. Putain, mais mon perso, j'ai l'impression qu'il avance tout seul là. Ah non, ça glisse. D'accord. Putain, mais comment je vais retrouver la sortie là-dedans quoi. En fait, c'est, on fait du ski là. Faut qu'on arrive à trouver un spot pour monter en fait. Ça, la difficulté. Le problème, c'est que si je retourne là, il y a le démon là-haut, non? Eh bah oui, il est là-haut. Ah, mais comment on fait, quoi? Oh my God. Ça glisse, en plus, ça glisse. C'est affreux. C'est affreux. On dirait pas comme ça, mais c'est super dur à contrôler. Voilà, on va voir. Vas-y, prends-toi ça dans la gueule. Tu m'en diras des nouvelles. J'essaye de le mind-gamer. Ah, c'est bon, il m'a lâché déjà, c'est la bonne nouvelle. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici, là? Il y a des choses. Vous pensez que si je prends une torche, je peux cramer le... C'est quoi, ça? Nice. Oh, un morceau de jambe. Alors là, il y a des sigils, mais le problème, c'est que j'ai pas vu de porte... Oh my God, c'est compliqué, là. En plus, il y a des bruits chelous. Hein. Il y a des sigils partout. Ah, c'est quoi ça? Ok, c'est rien du tout. Là, il y a des sigils, ok. Ah, mais oui, mais là, je reviens en arrière, là. Je reviens par où je suis arrivé. Mais il y a des sigils partout. J'ai jamais trouvé le bon. Hein. Ah, là, on peut plus revenir en arrière, d'accord. Donc là, on est coincé. Forcément, c'est par là. On va essayer de claquer le laser, là. Qui va me dire où je dois aller. Vas-y, prends la torche. Ok, c'est par là. Ah d'accord, il y a un chemin ici. Oh my God. Ok, on l'a trouvé. On a trouvé le bon chemin. Ah d'accord, la porte est là. Ok. Bon alors, c'est parti. Ok, faut trouver le bon sigil maintenant. Alors ça va être une autre paire de manches. Oh my God. Évidemment, c'est pas le bon. Hein. Ça aurait été bien que ça soit le bon du premier coup. Hein. Ah, par contre, le problème. Là, il y en a un là. Mais celui-là, c'est le même, non? Je l'ai pas pris celui-là. Ouais, il lui ressemble, mais j'ai pas l'impression que ça soit exactement le même sigil. Ah, bah là, il y avait une lettre. On va la lire après. Je vais juste essayer d'ouvrir cette putain de porte d'abord. Ah, si, c'est le même. Ah, je retente ma chance. Hein. Vous savez, j'ai appris qu'il fallait retenter sa chance.
Ah non. Alors qu'est-ce qu'il nous dit lui? Je leur ai tranché la gorge cette nuit, leur sang chaud fit fondre la neige de la grotte, et sera apparaître un portrait sanguinolent de la déesse, souillé du sang des pêcheurs, géré à travers les sombres cavernes, scrutant les silhouettes gelées à présent incorporées dans la paroi, la déesse adressa à moi à travers leurs infortunes, les martyrs pris dans la glace paraissent se désigner les uns des autres dans une tentative misérable de s'entre-accuser de leur péché, voilà. Dans un élan de pitié, je contemplais leur corps gelé, quand la triste vérité me frappa. Dans leurs derniers instants, deux d'entre eux semblaient implorer le pardon de la déesse, leur sang recouvrant les parois, formait un seul et même symbole. Ce signe me servit à démolir... Voilà, en fait, il te dit de prendre le sigil et d'ouvrir la porte, quoi. Voilà. En gros, le résumé de la chose. Ok. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à. Là il y a des sigils partout quoi. On va prendre celui-là, on va voir. Hein. Alors c'est un X. Celui-là on l'a pris. Hein. Idéalement faudrait se rappeler de ceux qu'on a essayé quoi. Et vous savez la mémoire de poisson rouge. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un... Attends c'est où là? Attendez, je me suis trompé de zone là? Elle est où la porte là? Elle est là. J'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais perdu à nouveau dans tout ça quoi. Alors un X. Un X ça paraît bien non? Ça se trouve il y a des indices dans les lettres tu vois. Non évidemment ce n'est pas celui-là, hein. Évidemment ça aurait été trop beau. De toute façon, c'est toujours le dernier. Hein. Vous savez, dans les jeux comme ça, généralement, on n'a pas de chance. Hein. Ok, c'est pas sûr. Je réessaye deux fois tout le temps. Ok, next. Oh, putain, il m'a fait peur, lui. Donc, attendez, celui-là, on l'a fait. Oh, putain, il m'a fait flipper, le con, là. Oh, merde, je suis mort. Oh là là, il m'a tellement fait flipper, quoi. Attendez, je vais essayer de trouver les sigils en vue... Ah mais non, mais je peux pas, en fait, faut que je trouve un corps. Putain, il m'a fait flipper, mon gars, il est sorti de nulle part. Là-bas, il y a un supplicié, ok. Putain, il m'a... Oh là là, je me suis chié dessus, là. J'avoue, il y a pas trop de jumpscare dans ce jeu, mais... Mais là, je m'attendais pas à ce qu'il soit là, en fait, le démon, quoi. Ok. Bah du coup, c'était pas le bon sigil. On va reprendre la... Oh là là, il rôde. Hein. Putain, mais c'est chaud, quoi. En plus, t'as la... T'sais, oh là là, il m'a vu. En fait, le problème... Attendez, c'est pas... Ce qu'on va faire... Ah là, il y a un sigil que j'ai jamais pris, là. L'espèce de pendu, là. Attendez, est-ce que... Ah, là-bas, il y en a un. Ok, c'est bon, je l'ai repéré. Ah, celui-là aussi, je l'ai pas pris. Ah, mais là, il y a plein de sigils, en fait, d'accord. Oui, c'était la caverne du début, celle-là. Ok. Donc là, il y a plein de sigils qu'il va falloir tester. Le problème, c'est est-ce qu'on va avoir assez de vie pour y arriver? Ça, je sais pas. Bon, allez, prenons celui-là. Voilà. En fait, le... Oh, mais non... Faut que je m'en aille là. Mais bon, il m'a lâché là. Oh my god. En fait, le problème c'est que comme ça glisse, le perso en fait il s'arrête, tu vois. Là, il y a la musique, hein, il est pas loin, hein. Il rôde. Imaginez, il est derrière moi quoi. Là, j'ai un sigil en plus, faudrait que j'aille le tester. Elle est où la porte déjà là? Je l'ai oublié là. Elle est là. Ok, c'est bon. Let's go. Ah, s'il te plaît, dis-moi que c'est le bon sigil là. Dis-moi que c'est le bon sigil. Et celui-là, je l'avais pas déjà fait tout. Ah, mais non, c'était sur un autre. C'est sur un autre. Putain, c'est pas vrai quoi. C'est pas angoissant?
T'es en train de tester tous les sigils du jeu. Jamais le bon. Après, là, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Ouais, non, c'est pas sûr. Ok, on avait vu qu'il y en avait un dans la grotte en forme de mec crucifié. On va peut-être essayer de le retrouver, celui-là. Et celui-là, non, c'est pas celui-là. Putain, il y a le démon. Le démon, il est juste devant, là. Ça pue, là, hein. Ah mais même comme ça il me voit, d'accord, ok. Oh my god. Du coup est-ce qu'il nous reste des vies là? Ça pue là. Hein. Ah c'est compliqué là, hein, le démon. En plus ça glisse, en fait le sol il glisse les gars. C'est ça qui est dur. C'est qu'en fait quand tu commences à courir, dès que tu veux changer de direction, tu peux pas. Tu te fais niquer quoi. Bah du coup là à mon avis on peut prendre possession du démon mais on pourra pas avancer si on fait ça. Là il y avait plein de sigils quoi, putain. Bon bah on va mourir. On va recommencer. C'est pas grave, par élimination on va forcément tomber sur le bon un jour quoi. Du coup là on va se suicider. En fait il faudrait les prendre par le celui qui est le plus éloigné et se rapprocher voilà au fur et à mesure du temps. Ah là c'était débile quoi. En même temps, c'est pas évident. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi de mourir. Il veut pas mourir. Ah. Ah, si. Au bout d'un moment. Bon, allez, on y retourne. On va y arriver, hein. Si tout est une histoire de gagner du temps. Ah, mais attends, on retourne où, là? On est où, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? On est où, là? Attendez, mais où est-ce qu'on est, là? Je me rappelle pas d'être passé par là, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est quoi, ça? Ah, il y a des... C'est pas grave. Ah oui, si. Ok, on va essayer de mourir. Voilà. Et on va essayer de prendre... Ou alors on trace, ça marche aussi. Le problème, c'est qu'on peut pas outrun un démon, tu vois. Ah oui, d'accord, en fait, on est revenu... ok, je vois où on est, là. Ah, il y a un point de sauvegarde! Vite! S'il te plaît. Bon, il y a un point de sauvegarde, les gars. Déjà, on sera plus en galère. On sera moins loin. Ah, mais oui, on était là tout à l'heure, d'accord. Ok. En fait, on était tout à l'heure là, mais en forme de démon, quoi. Normalement, c'est par là. Hein. Et on va mourir, juste avant la rentrée, évidemment. Voilà. Tout va bien se passer. Promis, on va y arriver. Je vais juste attendre que le démon s'en aille et je vais prendre possession de lui, là. Ah, est-ce qu'en bas il y a des démons encore? Non, je pense pas. Je vais attendre qu'il s'en aille. Je peux plus bouger là à nouveau. Putain, mais le clavier anglais. Ah, oh putain, le clavier. Ah. Allô? Ok. Deux secondes, je suis en train de. La souris ne marche plus. Très bien. Pas la souris, mais le jeu ne. Ok, attendez. Commencez au point de contrôle. On commence, c'est pas grave, c'est pas loin. Ah, décidément. Ah, c'est compliqué, hein. Mais j'ai mis le jeu en... Voilà, ok, on revient là. Il y a juste à tracer. Enfin, des fois, le jeu, il se lock. On peut plus bouger la caméra, en fait. Je garde mon énergie pour essayer d'outrun le démon, là. Au pire des cas, s'il me chope... Ok... En fait, idéalement, faudrait trouver un point de TP ici, là, un point de sauvegarde. Ah, mais là, j'y suis pas allé tout à l'heure, là. We're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Et là, ça glisse à nouveau, là. Allez, un petit point de sauvegarde, là, ça serait vraiment bien. C'est quoi tout ça? Oh, c'est un fruit.
Ah, c'est un fruit. Ah non, c'est pas un fruit. Mais c'est quoi ce truc là là? On a pris une tête. D'accord. Ouais. Comment on est rentré dans la zone de tout à l'heure là? Ah, ça y est, je suis perdu. On va utiliser ça. Quand on est perdu, faut utiliser le super pouvoir, tu vois. Il nous indique la voie. C'est quoi ça? Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Ah, c'est quoi ce truc là? Ah, c'est un fruit. Voilà, c'est les fameux fruits pour augmenter les capacités. Bah voilà, tant mieux. Ah, mais on est en train de geler. Ah, c'était le piège, c'est ça? D'accord. Ah, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé ce petit piège. Merci beaucoup. On s'est fait geler par le trône, quoi. Le trône de glace. Bon, bah, ça nous dit toujours pas où faut aller. Hein. On va suivre ça bêtement, là. Mais là, on revient en arrière, là, non? Je comprends pas où faut que j'aille, là. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était dans une zone, et j'arrive plus à y retourner. Et là, le jeu nous dit, bah non, c'est pas par là. C'est par là. Non, mais attends, c'est pas possible. Putain, quoi. Je déteste ce genre de truc, quoi. Bon, vous savez quoi? On va aller par là. On va découvrir des nouveaux environnements ensemble. L'autre, il est en train de faire sa prière là. Vas-y, on va passer. Ah, c'est bon, on est là. On y est. Ah oui, mais cette fois-ci, il y a tous les démons parce qu'on les a pas tués. Vous savez, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tué les démons avec le gros. Et du coup, maintenant, ils sont tous revenus. Voilà, juste pour faire chier. Et on va passer par là pour retrouver la porte. Non, là c'était ok. Là c'est la zone. Est-ce que vous vous rappelez où était la porte? Ah, là-bas, je crois. Ok, elle est là. Faut se rappeler de ce sigil. Il nous donne toujours le bon chemin en fait. Ok. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à refaire. Hein. Alors, le coup du supplicié. Allons-y. Ah, regarde, ça c'est bien dégueulasse. Je dirais que c'est un coloriage de qualité. Ah, c'est ouf. Ah, mais là, je l'ai peut-être mal fait, là aussi. On va y aller tranquille. Le problème, c'est qu'il y a des espèces de monstres araignées qui nous poursuivent. Non, c'est pas celui-là. Putain, c'est un truc de ouf, quoi. J'en ai fait combien des sigils, là, honnêtement? J'ai dû en faire au moins 5 différents. J'ai pas trouvé le bon. Et ça, je dirais que c'est du génie. Je sais pas où il est, le gros démon, il est pas là du coup. Au final, c'est peut-être un bon plan ce qu'on a fait là. Alors la croix, on l'a faite. Hein. Ok, la croix, on l'a faite. Celui-là, on l'a fait ou pas? Celui-là, c'est celui qu'on vient de prendre ou pas? Ouais, c'est celui qu'on vient de prendre, ok. Donc, du coup, faut retourner. Pas par là. Pas par là, Zinedine. C'est où là? Ah, c'est là. Ok. Ah non, pas du tout. Oh my god, il y a l'autre connard là. Il est encore là. Mais je vais jamais y arriver, hein. Je vais jamais y arriver, les gars. Spoiler. C'est tellement chaud là. Elle est où la zone avec tous les trucs? Oh my god. Ok. Alors, est-ce qu'on peut TP J'arrive pas à reconnaître les zones en fait, je me perds dans le truc. Et du coup, j'arrive pas à retrouver la zone, vous savez où il y a tous les sigils au début là. J'arrive pas à la retrouver. Et du coup, je me perds et je tourne là-dedans et je me fais tuer quoi. Elle est là-bas. OK, elle est là-bas. Et bon, là, je l'ai trouvé du premier coup. Alors attendez, parce que du coup celui-là on l'a pas pris. Celui-là c'est sûr on l'a pas pris. Donc ça en fait un en moins. Ensuite celui-là on l'a pris. Oh putain, il m'a fait peur aussi celui-là, putain je le vois. Bon ceux-là ils sont pas dangereux, il y a juste à les repousser quoi. Vas-y casse-toi là, vas-y casse-toi saloperie va. Ok maintenant direction la... Voilà c'est là. La porte.
Un jour on va y arriver. Ah là, en fait là j'y suis arrivé du premier coup, tu vois. Mais quand je vais vouloir y retourner, ça va être impossible. Allez, on y croit, on y croit. Ah non, visiblement... Putain, c'est toujours pas le bon. Hein. Sauf c'est pas ça. Hein. On va passer 3 heures ici, c'est génial. Non, c'est pas le bon. Ok, faut que j'arrive à retourner maintenant. Faudrait que j'y arrive du premier coup, là. Non, c'est pas là. Faut que j'arrive à retrouver le spot. C'était vers là où il y a du... Je crois que c'est là-bas, non? Il y a une saloperie, là. En fait, le problème, c'est qu'il y a un petit démon qui se balade aussi, là. C'est vers les mains, là. Ah, c'était là? Oui, c'était là! Ouais, en fait, d'accord, c'est juste à côté, c'est juste à gauche. Ok, c'est bon, j'ai repéré. Maintenant, il y a juste à faire attention au froid, là. Du coup, celui-là, on l'a jamais pris. Ok, vite, avant que l'araignée arrive. Donc, il manque celui-là. Et celui-là, c'est le dernier, on est d'accord. Il y en a plus d'autres après, hein. Voilà, mais là, si je vais là, ça pue. Celui-là, je l'ai pris. Ok. On va peut-être enfin arriver à avancer dans ce jeu. Voilà, c'est la glace. La glace m'a envoyé vers l'araignée. S'il te plaît. Ah, bah, attends, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. On va se prendre le combo. Ah, c'est bon. À partir de là, je sais où c'est, quoi. Je commence à me familiariser avec la zone. Allez, dis-moi que c'est celui-là, gros. Ça, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait une heure qu'on est là-dedans, quoi. Ça va être une belle VOD d'une heure sur cette zone. Non, mais en fait, là, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je le réinitialise. Ouais, je me concentre. Concentration. Putain, c'est pas celui-là non plus, quoi. La 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 la. Du coup, attendez, il restait lesquels, là? Bon, on s'en fout. Ah, c'est là. Donc, lui, on l'a pris. Lui, c'est quoi, ça? Celui-là, on l'a pris, hein. Celui-là, on l'a pris. Celui-là, on l'a pris, la croix à l'envers. Hein, ouais, celui-là, on l'a pris aussi. On les a tous fait, gros, hein. Attendez, à moins que là-dedans, il y en ait un. Je vois pas où j'en ai oublié, là. Là-dedans, il n'y a rien. Celui-là, on l'a fait aussi. La croix là-bas, on l'a faite aussi. Le mec là, on l'a fait, mais celui-là on l'a pas fait à l'envers. Il n'y a pas deux versions de celui-là. On va aller voir. Celui-là on l'a fait. Attends, mais on les a tous fait, gros. Hein. Celui-là on l'a fait aussi, c'était le premier. C'est pas possible. Ouais, on va recommencer, hein, mais là je vois pas ce que j'ai loupé là. À moins que... Bah non, celui-là on l'a fait aussi. Celui-là on l'a fait aussi, info sûre. En fait, il est dessiné dans l'autre sens, mais on l'a fait. Ah non, c'est pas celui-là, gros. Bah là, je sais pas trop quoi vous dire, à part que je sais pas. Il doit y en avoir un qui a dû passer à travers le filtre. Ouais, bon là voilà, on est baisé évidemment. On est baisé. Il nous a pas tué quand même. Hein. Il nous a pas tué, mais ça a fait mal. Et du coup, on l'a réveillé, quoi. Ça, c'est quoi? C'est un sigil. Celui-là, on l'a fait aussi. Bah, celui-là, c'est celui qu'on a pris, non? Et celui-là, il a l'air à l'endroit, tu vois. Et il est pas au même endroit que l'autre, si?
Oh là là, non, pas là. Ah là, je sais pas trop. Hein. Je comprends pas où je dois aller. Attendez, on va passer en vue. Celui-là on l'a fait. Je regarde si j'en ai pas oublié un maintenant qu'on est en vue comme ça là. Ceux-là on les a fait. Non, j'en ai pas oublié. Hein. Attendez, peut-être par là il y en a. Et là-dedans il y a quoi là-haut là? Ah là il y a un truc. Ah mais non. Attendez, là il y a un trou. On n'est pas allé ici là. Comment on va là? Attendez, on va essayer de trouver le chemin là. Là, là, on peut pas y aller là. Ah si, faut sauter. Ah putain, d'accord. Peut-être qu'il faut que... Ah mais du coup on est mort et du coup... Ah là là, on doit recommencer. Ok. Pas grave. C'est tendu. Hein. Là, j'avoue que je commence à me dire, il y a... Je sais pas. J'arrive pas à trouver le bon sigil. Ah putain, on doit retaper le... Ah c'est dur là. Hein. Et lui, comme par hasard, il a décidé de faire le tour. Ok, c'est bon, le outrun. Outrun, out DPS. Ah, pas du tout. Pas du tout, et du coup, on va mourir. Bon, c'est pas grave, il y a des suppliciés dans la zone de froid, là. Ce jeu, il est débile, mon gars. Hein. C'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sorties. Ça se trouve, on est en train de chercher un truc qui n'existe pas. Je sais pas quoi vous dire, là. Hein. On a fait tous les sigils, hein, on est d'accord, on les a tous faits. Hein. On est où, là? Ok, c'est en bas. Et là, il y a un démon en bas, je crois, non? Ah, il y a un démon, là. On peut pas descendre plus facilement là. Attendez, parce que ça se trouve ici il y a des sigils qu'on n'a pas vu, non? Là on y a été tout à l'heure, là c'est là où il y a la tête là, ok. C'était là où il y avait le trône. Putain, quel enfer. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Parce que je me rappelle encore le truc de la dernière fois où en fait on avait rassemblé une... Enfin des cœurs, et en fait le truc c'est que les cœurs, une fois qu'on les avait placés, on pouvait plus sortir de la zone et il y avait un démon qui nous suivait en fait. Des fois il y a des mind games quoi. Le jeu te donne des mauvaises pistes. Et du coup moi voilà quoi. Faut que j'arrive à trouver comment... Celui-là, on l'avait fait ou pas? Oui, celui-là, on l'avait fait aussi. Hein. Non, mais en fait, là, je sais pas. Hein. Là, je sais pas. Du coup, je sais pas ce que je cherche parce que le truc, là... Ce machin-là, il m'indique d'aller par là, visiblement. Oh, ah, là, il y a le double démon, là. Il y a double démon, ici, là. Il me dit d'aller par là, hein. Il me dit de monter, d'aller là où il y avait le point de sortie de tout à l'heure là. Oh, il nous a pas vu quoi, c'est un miracle. Le problème c'est qu'il y a un autre démon qui est monté là, je l'ai vu. S'il te plaît, ne te fais pas voir. C'est où que je dois aller là? Par là? Ah mais là je peux pas mec, je peux pas, c'est pas possible. En fait faut réussir à sauter de l'autre côté là-bas mais y a pas de chemin. Et là y a quoi là? Ah je sais pas là. My God, il m'a fait peur lui. Peut-être en passant par là. Ah, peut-être que là, ça rejoint de l'autre côté, là, non? Oh, ça serait un miracle. Ah. Oh, ça sent bon, là, non? Est-ce que ça serait pas la sortie, ça?
On aurait fait tout ça pour rien? Ah bah oui, c'est là. Attendez, il y a un truc là, il y a une pâture. Ok, on a trouvé une sortie. Alors, c'était pas du tout celle que... Voilà, mais... Ok. Pâture examinée, c'est génial. Alors, attendez, il y a une lettre. Sous les terres les plus gelées se cachent des démons enveloppés de flammes éternelles. Leurs cris parviennent jusqu'ici, réveillant des sentiments de peur même parmi les pires d'entre nous. Les pyros. Ils laissent derrière eux, paraît-il, une traînée suffocante de feu et de soufre, identique à celle qui consuma leur cœur lorsqu'ils agonisaient sur le bûcher, les yeux picorés par les corbeaux. Les flammes ont dévoré leurs âmes damnées, forçant à errer dans les profondeurs des enfers. Malheur à qui perturbe leur routine, car elle est leur dernière source de réconfort. Okay. Bon bah c'est bon, on a réussi à... Ok, en fait, en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai repéré le chemin, je sais comment y retourner. Donc si jamais on meurt... Ok, alors là on va se méfier parce qu'il y a un connard là-bas, Connarman. Ce serait bien d'avoir un point de sauvegarde. Je vais pas vous mentir. On remarque là il y a des types, ok cool. Oh là là, vas-y on s'enfuit, hein, c'est bon. J'ai donné. En fait on a passé une heure à chercher un truc qui peut-être n'existait pas. Et ça c'est quand même du génie. Bon, là il y a rien. Il est où le démon? Oh putain. Me dis pas qu'il vient ici. Hein. Il aurait pu venir. Ok, il y a une lettre. On est en sécurité ici, on est en sécurité. J'ai aperçu le mal absolu, pas dans l'ombre des créatures démoniaques, mais dans mon reflet. Car j'y ai vu un démon obsédé par la déesse de sang. Il a posé les fondations du temple en son honneur. Il a posé les fondations du temple utilisant les faibles comme mortier. C'est de nous que nous devons avoir peur, car dans nos cœurs sont plantées les graines de l'avarice et de la folie. Les visions m'empêche de trouver le repos. Je me souviens de mon père qui a érigé un monument à sa gloire en utilisant des corps. Vais-je le retrouver là-bas? Ah, mais il y a des statues là. Si je prends tout, moi. Ça se trouve, je vais pouvoir payer le. Je sais pas quoi. Mais il y en avait même une là, quoi. Des statues everywhere. Ah, attendez, parce qu'il y a une autre lettre là. Est-ce qu'on peut la prendre celle-là? Mes frères, si vous lisez ceci, sachez que mon cœur saigne autant que le vôtre à cet instant. L'arbre n'est pas le purgatoire espéré, mais un autre repère de démons. Vous l'avez déjà probablement rencontré, la déesse. Vous a-t-elle convaincu, vous aussi, que vous étiez le seul, l'élu? Ne vous a-t-elle pas susurré à l'oreille qu'elle pourrait vous rendre exceptionnel? Ne vous laissez pas tromper. L'enfer est rempli de martyrs comme vous. Il subsiste sur notre foi et se délecte de nos souffrances. Aucun de nous n'a encore atteint la cathédrale. Malgré des milliers de tentatives, ils ont tous échoué. Comment pourriez-vous réussir? Pouvons-nous espérer un autre dénouement? Dieu protège-nous du mal. De nos mains sont levées vers toi. Bon, voilà. Incroyable. Bah, on doit atteindre la cathédrale, hein, visiblement. C'est notre objectif du jour. Attends. Hein? Non. Attends, tu veux dire que ça? On revient au début? Non, c'est pas possible. Ne me dis pas que c'est ça. Si, on est revenu au début, les gars. Hein. Oh putain, non. Oh non, j'ai cru que j'étais là. J'ai cru que j'étais sorti de ça. Et du coup, non, bah non, on est pas bon. On doit retourner en bas, visiblement. Ok. Ah, c'est bien, hein. Cette zone, elle est vraiment sympa. Hein. Oh my god. Bon, bah, c'était une fausse joie. Désolé. Alors, par contre, il y a plein de chemins. Du coup, je suis totalement perdu. Non mais là on revient... on revient au sigil là. Hein. Je crois que tout nous amène ici. Oh my god. C'est pas un sigil là-bas ça? C'est quoi ça? Mais casse-toi toi, casse-toi là, avance là.
Non, ce n'est pas un sigil, mais on peut. D'accord. Mais ça, c'est quoi ça? Intéressant. Intéressant, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on peut monter par là, là, vous pensez, là? Ça a l'air d'être un chemin, ça, non? Là, je fais du out of bound. Je passe à l'autre côté du niveau. Ah oui, vraiment, je suis vraiment passé de l'autre côté du niveau, quoi. Tout va bien. C'est la caverne, on l'appelle la caverne qui rend fou. Ah bah du coup je peux... Du coup si on va là, ça passe... il se passe quoi là? Parce que ici j'ai vu un trou. Ah oui d'accord, on revient là. C'est fou ça. Tout nous amène ici. Et le problème c'est que les sigils... Attendez, il y a une lettre, il y a quelque chose là, il y a un truc qui brille. Faut pas s'énerver. Alors le vent, nanana, ouais bon ça je commence à m'en foutre un peu là. Attendez, j'essaie de comprendre par où faut passer là. Mais oui c'est la porte hein. Non c'est la porte hein, c'est ça, il y a que ça. C'est le seul truc où je suis pas allé. La porte avec le sigil. On aura, je crois qu'on n'y arrivera pas hein. ça pue. Pour moi les sigils je les ai tous faits quoi. Et c'était pas, j'arrivais pas à ouvrir la porte donc. Et lui il est là. Attendez, je vérifie. Mais en fait, même le truc, il sait pas où aller, quoi. Même le machin, il sait pas où aller, gros. Ah si, il me dit d'aller par là. Bon, attendez, ce qu'on va faire, ça se trouve, je suis passé à côté de la solution. Hein. On va aller, on va suivre le truc, là. Bêtement. Ah, mais non, on peut pas, en fait. On est coincé, là, non? Oh my god, j'en peux plus. Et là, on peut pas monter, hein. Ok, bon, on va se... Il est où? J'allais dire on va se suicider, mais non. Non, mais c'est ça, c'est la porte. Hein. Il n'y a pas de mind-game, hein. Ça nous ramène tout le temps sur la porte. Regardez ça. Le truc qui nous amène là-bas. Et la porte, elle veut pas s'ouvrir, quoi. Bah je crois hein. Mais même pas en fait. Mais je sais pas. Là je sais pas ce qu'il faut que je fasse là. Bah, je sais pas, on va monter là-haut là. Merde. Non mais ça se trouve je suis passé à côté hein. Ça se trouve je suis passé à côté de la solution et Attendez, fais voir. Suivre, ouvre la porte. Attends, suivre les nains, atteint le désert, trouve la déesse rouge. Mais c'est toujours la même chose. Ça m'aide pas ça. Là, on peut aller là, là. Ok, on peut monter ici, visiblement. Pas du tout. Non, bah, je sais pas. Là, celui-là, on l'a fait. On les a tous fait, les sigils. On les a tous fait. Bah je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Est-ce que je vais voir une soluce? Est-ce que je m'autorise un spoiler ou un truc là? Parce que je vais pas passer ici, je vais pas rester là pendant 3 heures quoi. Attendez 2 secondes. Si quelqu'un a une idée hein, là pour le coup. Là je sais pas. Là honnêtement j'ai fait tous les sigils. J'ai parcouru toute la zone. On va avoir faire les sigils, hein, mais... Ah, ça y est. Oh, la souris bug. Ah non, c'est bon. C'est parce que j'ai fait un... Ça va. On va retenter les sigils, hein. Je sais pas. C'est le seul... C'est le seul truc que je vois qui fonctionne, hein. Y a que cette porte. Y a que cette porte qu'on n'est pas... On n'a pas été. C'est quand même fou, ça. Je le fais bien, on sait jamais. Non, c'est pas celui-là. Ok. On va faire celui qui est juste à côté, là. On va faire celui-là. On sait jamais, hein. Même si celui-là, je l'ai déjà fait. Merde, c'est pas là.
Ok, bon bah next. C'est peut-être celui-là, hein. Mais celui-là je l'ai fait aussi. Hein. Ah mais celui-là on sait même pas si... Je sais même pas si je le fais bien en fait, tu vois. Non c'est pas celui-là, non je pense que là il m'aurait autorisé à le faire. Ok, bon c'est pas celui-là. Éliminer. Éliminons-en deux. On va prendre la croix là. Il y en a qui a une forme de croix là. Il est où? Ah, il est pas là. Alors, en plus, il y a des saloperies partout. Et celui-là, je suis sûr de l'avoir fait aussi. Hein. Celui-là, je suis sûr de l'avoir fait aussi. Hein. Je veux bien être un poisson rouge, mais je commence à me rappeler quand même ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. J'en peux plus! Oh, je m'en fous si ça. Si j'y arrive pas, j'ai à avoir une solution. Je vais pas passer 3 heures ici. Non, mais c'est pas celui-là. Celui-là, il est assez simple. Bien être gentil, mais là. Ok, c'est pas celui-là. Je refais un coup de sigil et si je le trouve pas, bah tant pis, on va aller se spoiler. Ah putain. Ah, en plus, il y a vraiment des mobs partout, quoi. Et en plus ça glisse, c'est ça le pire, c'est que ça glisse. Oh my god, j'en peux plus. Là ma patience. Vous voyez moi je suis quelqu'un de patient mais là. Là je commence à arriver au bout de ma vie là. Donc hop, vas-y dégage toi. C'est par là-bas. Ça y est, j'ai déjà oublié où c'était. Ouais, ouais, ça glisse. Bon. Vous savez quoi, je vais aller voir une solution là, j'en peux plus. Agonie. Je sais même pas où on est en plus là, Solus. Ah là, je sais pas. Hein. Mais ça se trouve, il y en a même pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait une solution sur ce jeu quoi? Ah, c'est quand même. C'est quand même quelque chose. Parce que là c'est bon quoi. J'ai donné ma vie. Agonie. Ah, mais non, il y en a pas en fait. Astuce, Solus. Ah non, on peut pas. Il y en a pas. Évidemment, personne n'a fait de soluce pour ce jeu de chasse. Ah non. Hein. Bien débuté sans son. J'essaie de trouver un truc. Hein. Ah, j'ai l'impression que là, on va devoir chercher. Hein. Et là, je peux pas dire, vas-y, je coupe le live et vas-y, on se retrouve dès que j'ai fini, tu vois. Ok. Je vais prendre celui-là. Ah, il n'y a pas de soluce pour le jeu, en fait, je crois. Il n'y a pas de soluce. En même temps, voilà, quoi. Bon, bah... Je sais pas. Je vois pas... Je suivre les traces de la déesse rouge... Ouvre les portes. Attendez, si je fais ça là. Mais ça, ce truc là, il m'emmène jamais au même endroit. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Vas-y, je vais le suivre. Là, il me ramène vers le haut. Ok. Non, mais là, c'est pareil que. C'est comme tout à l'heure ça. On revient à l'extérieur, c'est ça? Ah mais là-bas il y a le trône. Bah oui, il y a le trône qu'on avait trouvé. Ah là on revient. Ah quoique. Ah là on revient en arrière. Hein. J'ai quand même utilisé le truc. Ouais, on revient là. On revient toujours ici. En fait, ça fait une espèce de cercle. Mais comme j'ai pas de map ni rien. Putain. Ah, si je me fais choper par le démon là, il y a pas beaucoup d'endroits où on peut passer quoi. Sinon là, je me suicide, je poule le démon là, je me suicide et je prends lui et j'avance. Parce que lui, il m'empêche de passer en fait. Non mais il y a un truc que je dois pas voir, il y a peut-être un truc, je sais pas. Tiens, moi je suis le spécialiste du mec qui loupe la porte devant toi, tu vois.
Il va venir jusqu'en bas le démon là, vous pensez? Oui, apparemment. Hein. Juste pour... Bon, vous savez quoi, je vais me suicider. Je vais le pull. Je vais le pull, je passe en forme de machin et je prends lui là-bas. Ah putain, il remonte, t'es sérieux là? Oh my god, attendez, il n'y en a pas un. Non, il n'y a que lui. Je peux pas prendre le démon plutôt? Bah non. Non, ça passera pas. Je vais prendre le démon. Je vais prendre le démon et je vais le ramener en bas. Et je vais voir. Là, je sais pas. Attendez, peut-être qu'on peut... On peut visiter un peu la zone, tu vois. Là, il y a un truc, là. Visiter la zone. Là, il y a un passage, ok. Parce que là, je suis assez rapide et tout, donc. Ah, là, il y a un passage. Mais attends, ça sent. On y a déjà été ici ou pas? Oh, tu sais, maintenant, je. Ah. Ça, c'est une. Ah, attendez, là-bas, il y a un truc. Non, là, on y. Ah non, on revient. Ah non, il y a un point de sauvegarde, vite. Vite. Oh, c'est bon, il y a un point de sauvegarde, les gars. Ok. Oh, c'est bon, je crois qu'on a... On va avancer. On va avancer. J'ai vu un point de sauvegarde juste là. Ok. Oh my god, j'en peux plus. Je crois que c'est bon là. Ouais, c'est par là. Ok. Là, on a passé... Je sais pas combien de temps on a passé sur le... Et là, on arrive de l'autre côté, non? C'est ça? Ok, bon, en tout cas, bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une nouvelle zone. Alors, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais... On a découvert une nouvelle, un nouvel endroit. Là, il y a des sigils. Ok, on va quand même tenter les sigils. Le jeu, mon gars, il veut te tuer, je crois. Bon, je tente ma chance, mais je me doute bien que ça sera pas celui-là. Bah oui. Évidemment que c'est pas celui-là. Tu sais, maintenant je commence à connaître les bails. Hein. On me la fait pas. Oula. On me la fait pas, moi. Quel enfer. C'est quoi ça? Ah, il y a un... Ah, c'est une statuette, d'accord, on s'en fout. On s'en fout totalement. Ah, là, il y a un trou. Oh, putain, il y a un trou, les gars. J'en peux plus. Mais ceci dit, il y a des progrès qui sont faits là. Ah, est-ce que je vais arriver de l'autre côté à temps? De toute façon, j'ai pris le point de sauvegarde, donc quoi qu'il arrive... Ok, c'est pas grave, on est mort, mais on va continuer comme ça. Ah. Non, on n'est pas passé loin là. On peut pas monter là? Bah non, on est baisé. Ouais, en fait, le jeu veut te tuer. Hein. Le jeu te donne des fausses pistes pour que tu te focalises sur quelque chose. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est comme la porte de tout à l'heure avec les sigils. Je pense que je pouvais rester bloqué là pendant une heure. J'aurais pas pu ouvrir la porte non plus et voilà quoi. Ah mais là... J'ai envie de vous dire... Ah mais si, ça doit être là. Hein. Ok, la suite est là mais bon. On va reprendre le point de sauvegarde et on va aller directement là au lieu d'attendre bêtement. Mais c'est exactement comme hier. Hier, il y avait une zone... Quand tu faisais la... Pas la quête, mais le quand tu équilibrais les trucs, là. En fait, la zone, l'espèce d'arène se refermait. Tu pouvais plus sortir, tu pouvais plus rien faire. Et il y avait un démon qui te coursait. On va aller par là-bas. Et voilà, et t'étais obligé de mourir. Et du coup, en fait, après, tu apprenais qu'il fallait pas faire le truc, quoi. Sinon, t'es mort. Donc, une fois qu'on est mort, après, on pouvait passer, quoi. Donc le jeu, des fois, il te donne des fausses pistes. Ah ouais, génial, ça. Vraiment, grosse mécanique de jeu. Hein. Bon, alors, attendez. Oh là là. On passe cette merde là, sur le côté, là. Ah, ça glisse. Ça glisse, gros. Ok.
c'est pas par là. Si c'est par là, c'est quoi c'est ça? Ah non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas passer là? Ah là là. C'est dégueulasse. Attendez, on va essayer de trouver la sortie. On vient de là. J'en profite que je sois en mode découverte là. Non, il n'y a pas de sortie là, c'est un cul-de-sac encore. Hein. Non, mais c'est un truc de ouf ce jeu, c'est la folie. Là, il y a un truc, mais on peut pas. En fait, il y a des portes. Il y a des portes qui mènent à nulle part. Il y a des trucs qu'on sait pas. Non, mais il n'y a rien en fait là. En fait, le seul endroit que j'ai repéré, c'est la porte qu'on peut pas ouvrir. Sinon, il y a le truc dans l'eau, là. Il y a l'espèce de statuette dans l'autre, mais... Dans l'eau, mais... Ah, c'est... Le level design, il est complètement à la ramasse, quoi. Bon, du coup, on avait dit que ce sigil, c'était pas le bon, hein. Quoique. Ah, attendez, celui-là, je l'ai pas testé, en fait. Attendez, elle est où, la porte, là? Elle est là-bas. Tu dis, je l'ai pas fait, celui-là. Je l'ai fait celui qui était à côté, là, celui-là. Avec un peu de chance. On aura avancé un petit peu dans le jeu, quoi. Ah non, mais ça, c'est vraiment un pire man game, quoi. Et en plus, le truc, il te dit d'aller là, quoi. Celui-là, c'est pas le bon. Moi, je suis sûr, il y en a. C'est comme tout à l'heure, il y en a pas d'autres des sigils. Et du coup, on va se focaliser là-dessus. Attendez, c'est quoi ce bordel là? Il y a des trucs. Attendez, peut-être que si je prends une torche, je peux peut-être ouvrir des passages, non? Ce serait logique. Ah, mais le problème, c'est que si je tombe, là, je peux pas l'acheter là-bas, la truc si. Ah non, ouais. Attendez, je vais vérifier que... Là, il y a... Bah non, on peut pas. Il y a peut-être un sigil de l'autre côté, là. Où il y avait les espèces de mains, là. Ouais, c'est... Chelou, quand même. Hein. Entre les portes qui s'ouvrent pas, les chemins chelous aussi, et les mind games. Non, mais là, il y a rien. Il y a rien à faire, ici, hein. Y retourner. Ah, il y a un truc, mais là il y a une porte, ok, mais je peux rien faire de plus. Je vais suivre le machin là, on sait jamais. Alors vas-y, on passe. Non, il y a que dalle ici. Il y a que dalle. On est encore dans un cul-de-sac. Ah, quoique. Attendez, c'est quoi ça? Hey, il me dit qu'il y a quelque chose là. Non, mais là, il me ramène. Il me ramène à la porte là, non? Ah, il me ramène à la porte, le con. Bon, bah, ouais. On a avancé d'un centimètre pour reculer de trois pas, quoi. Là, il y a un sigil. Vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Ils sont pas sous l'eau, les sigils, je pense pas. Il n'y en a pas un au sol, là? Les mecs, ils me... Là, il y en a un. J'en ai pas loupé. Celui-là, on l'a fait. Hein. Celui-là, on l'a. Bah, de toute façon, il y en a que deux. Hein. Attendez. Et quoi ça? Une torche. Il n'y a pas moyen de gifler ça là? Non. Y a pas... Je sais pas. C'est bizarre parce que on me donne une torche, mais je sais pas quoi en foutre en fait de cette torche. Et en plus, là, on peut plus remonter. Hein. Là, c'est fini là. Ok. Ah, mais si, on peut monter. Attendez.
Est-ce que vous pensez... Ah non, ça serait dégueulasse. Est-ce que vous pensez que le sigil qui est là, il ouvrirait, par le plus grand des hasards, la porte qui est de l'autre côté? Alors le problème de ça, le problème de cette hypothèse, c'est que des sigils, il y en a deux. Donc ce qui veut dire, eh ben, on a une chance sur deux de faire l'aller-retour, l'aller pour rien. On va prendre celui-là. Ok, on va tenter une fois et puis si ça passe pas, bah tant pis, hein, on essaiera la prochaine fois. J'aurais tout donné là, mais là le jeu il est tellement what the fuck que... J'ai beau essayer de me torturer la tête. Bon bah du coup on retourne là-bas. Hein. Le truc c'est... Là il y a ça. Il y a des trucs comme ça, on sait pas. On peut briser la glace là? Non, pas du tout. Bon bah allez, let's go. Hein. Je sais même pas si je peux remonter en fait. Ah ouais, du coup on retourne là quoi. Ok. Ah mais c'est vraiment débile. Hein. Vas-y gros. C'est par où déjà? C'était par là? C'est par là ou pas? Je me souviens plus. Et là-bas il y a un autre point de sauvegarde. Ok, c'est par là. Attendez, là-bas il y a un autre point de sauvegarde. Oh là là, je sais plus. Et là-bas il y a le démon. Et là-bas il y a des trucs aussi, regardez ça. Là j'y suis pas allé. Oh my god, je suis perdu là. Oh là on peut pas. Attendez, parce que dans ce jeu, des fois on croit qu'on peut pas, puis en fait on peut, finalement on peut. Non là on peut pas non plus. Ah si on peut. Ah mais là on revient... C'est un peu chelou. Non là on revient ici en fait, d'accord. Non, c'est pas là. C'est pas la suite de la zone, d'accord. J'ai compris. Que là c'est quoi ça? Là j'y suis allé ou pas? Ah oui. Ok. D'accord, super, ok. Ça c'est le bon plan. Faut pas que je meure maintenant. Faut pas que je meure. On est retourné dans la grotte avec la fameuse porte, mais cette fois-ci on a un sigil. On a un sigil qui vient d'ailleurs. Donc peut-être qu'on va pouvoir l'ouvrir. Après tout ça. C'est par là. Oh my god quoi. Et imaginez c'est pas le bon et qu'on doit se retaper tout le chemin. De toute façon il y avait une chance sur deux. Hein. S'il te plaît, faites que ça soit le bon sigil, s'il te plaît. Merde, je l'ai raté, je réinitialise. Bon bah, je pense que les gars, on va s'arrêter là. Hein. Ouais, parce que là, il est déjà tard. Bon bah, j'aurais pas réussi à passer ce truc, hein, mais là... Je réessaierai de le faire offline. Ce soir je le referai offline juste pour la prochaine fois. La prochaine fois que je puisse avancer, parce que je vais pas me retaper ça tout le temps. Donc j'essaierai de trouver la solution de mon côté. Et du coup je leur indiquerai que voilà, comment je l'ai trouvé et comment j'ai fait pour trouver ouvrir cette putain de porte qui nous a bloqué quand même pendant une heure. Sans que j'ai aucune idée de. Voilà. Donc pour le moment la seule hypothèse que j'ai c'est de retourner de l'autre côté. Là où on était avec les. Là où il y avait l'eau là, prendre l'autre sigil qui ressemble à rien et le ramener ici. Et si c'est pas ça, bah je sais pas. Donc on verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce live qui était un peu pour le coup à la gauche.